tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Donc si vous aimez ce type de contenu, vous êtes clairement au bon endroit. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les petites alertes. C'est gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper les prochaines vidéos. Sachant que je présente beaucoup de box beauté, mais également des box gourmandises, bijoux, bougies, sport, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous souhaite par avance la bienvenue. Mais revenons-en à la box du jour, qui est donc effectivement pour les sportifs puisqu'il s'agit de la My Try Box. Donc je vous avais dit dans mes précédentes vidéos que j'allais faire une petite pause avec la pédaleur et l'athlète running club, tout simplement parce que mon chéri veut tester celle-ci, qui est plus spécifique on va dire pour le trail. Mais par contre elle est un petit peu plus chère, donc on voulait vraiment prendre le temps de tester celle-ci. Donc il faut savoir que c'est une box qui coûte 49,90€ et elle est bimestrielle, donc on ne la reçoit que tous les deux mois. À l'intérieur, on va retrouver 5 à 7 produits full size de toute façon, mais qui sont vraiment spécifiques pour le trail. Pas forcément la course à pied, mais vraiment le trail, et lui c'est plus ce qu'il pratique. Ça a vraiment été, entre guillemets, testé et approuvé par un panel de trailers, donc qui ont jugé l'utilité et l'efficacité en fait des produits qu'on va retrouver à l'intérieur de cette box. Et puis on va également retrouver un produit, donc à l'intérieur des 5 à 7 produits, il y a un produit technique, mais qui a pareil été testé, etc. par un panel de trailer. Donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Et à l'intérieur on a également un guide qui va nous permettre de voir comment utiliser les produits. Donc je vous ai dit qu'elle coûtait 49,90€, il n'y a pas de frais de port sur cette box si vous vous la faites livrer en point relais. Si vous voulez la faire arriver chez vous, je sais plus, j'avais regardé le montant mais je m'étais dit non ça fait trop. Il me semble que c'était 6 ou 7€ pour la faire arriver directement à la maison, donc j'avais dit non ça fait trop cher. Donc voilà, ce que je vous propose c'est de découvrir celle du coup, je crois que c'est septembre-octobre. Donc voilà, donc la boîte est comme ceci. Donc il y avait un petit, quand j'ai été la chercher au point relais, c'était dans un petit plastique comme ça. Voilà. Et donc après, on retrouve la boîte. Quand on l'ouvre, on arrive sur un papier de soie. Et après, donc, le guide des produits et les produits. Donc là, si jamais ça vous intéresse d'aller checker un petit coup, bon, moi je vous remettrai de toute façon. Mais il y a également les réseaux sociaux de la box. Voilà. Et quand je vous dis que c'est plus spécifique pour le trail, c'est que par exemple, j'ai vu qu'il y avait eu un mois où il y avait du baou, etc. à l'intérieur. Enfin, c'est pour dire que c'est vraiment spécifique parce que comme je vous l'avais dit, baou, c'est pas forcément une marque de nutrition pour le sport, on va dire, qui est ultra, ultra connue. Par contre, généralement, les trailers, etc. Connaissent bien cette marque puisque Xavier Thévenard, en fait, est l'ambassadeur de cette marque. Donc du coup, voilà, quand je vous dis que c'est vraiment plus spécifique pour le trail, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà le petit guide déjà. Donc c'est la box de septembre effectivement. Donc du coup ce sera pour septembre et octobre. Voilà du coup le petit guide. Et puis bah, effectivement il y a des petites choses à lire. Donc on va également retrouver les produits. Et puis bah, il y a des petits articles à lire. Donc là, ils nous mettent par exemple, donc là c'est le détail des produits, ils nous disent comment les utiliser et tout. Et puis à côté de ça, on a les bienfaits du vélo en entraînement croisé, parce que même si on fait du trail, et ben voilà, le vélo en entraînement croisé, ça peut être bénéfique et ils nous expliquent pourquoi. Et puis là, on a un petit focus sur une station de trail, donc à Montgenèvre. Donc écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ce que je vous propose, c'est de découvrir les produits du coup qu'on a reçus. Donc là, on a une paire de chaussettes de la marque Avento Sport. Donc 39,42€. Oh, j'espère que ce ne sera pas trop juste. Parce que là, c'est pile la limite. On verra bien. Mais voilà, c'est des chaussettes qui sont du coup des chaussettes techniques et qui me font un peu penser aux... Je crois que c'est Sox également, la marque qui est assez connue du coup pour ses chaussettes de trail. Donc voilà comment elle se présente. Et on avait la possibilité de les recevoir en deux coloris, donc soit jaune fluo, soit rouge. Voilà. Et donc ils nous mettent cette paire de chaussettes parfaitement adaptée à la saison avec sa technologie Climayarn.
Elle est fraîche par temps chaud et chaude par temps froid. Ergonomique, elle dispose d'une technologie anti-ampoule, anti-irritation pour plus de confort. Munie d'un protecteur de talons, elle contribue à l'absorption des chocs. Enfin, ces bandes réfléchissantes sont intéressantes à cette période où les jours raccourcissent pour être mieux vu. Donc vous voyez, c'est vraiment pensé, ça a été testé et c'est vraiment les avis entre guillemets des trailers dessus. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça, clairement, ce sera utilisé. Bon, je vous avoue qu'il l'a un petit peu guetté et puis je sais déjà ce qu'il va utiliser ou pas d'ailleurs. Deuxième produit que j'attrape, donc c'est toujours de la marque Aventosport et c'est un petit brassard pour mettre son téléphone. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il n'en avait pas, donc il a été content de recevoir ça. Voilà. Et le sien rentrera dedans. Si ça avait été le mien, c'était pas sûr, mais le sien rentrera, donc c'est parfait. Et du coup, qu'est-ce qu'on me met? Ce brassard de sport à fenêtre tactile permet d'utiliser son téléphone. Ah, bah c'est pas mal ça, oui, effectivement. D'utiliser son smartphone avec facilité pendant la course. Il possède deux ouvertures pour écouteurs ainsi qu'une fente range-clé réglable à l'aide d'une bande velcro. Il s'adapte parfaitement à votre bras. Et il convient donc pour tout type de smartphone et qu'il nous mette les mesures, etc. Donc ça, je trouve que c'est bien. Il pense même à la petite fente pour mettre les clés. Comme ça, quand on fait une sortie vraiment courte, eh ben, on prend juste son téléphone, sa clé et on s'en va. Donc je trouve que c'est pas mal. Et ça, il m'a dit qu'il était content également de l'avoir reçu. Donc ce sera utilisé. Ensuite, j'attrape de la marque Sidas. Donc ça, c'est une marque que j'ai retrouvée dans l'Athlete Running Club du mois dernier. Et là, c'est un cryogel, donc pour relaxer et récupérer. Ok. Écoutez, ça c'est pas mal, hein. C'est pour les pieds, c'est made in France, ça fait 75 ml. Donc ça, clairement, oui, ce sera utilisé. Après une grosse sortie trail ou, enfin voilà, même une course en compète, ça peut être vraiment pas mal. Et donc, ils nous mettent le gel de récupération effet cryo, permet grâce à son effet froid immédiat d'optimiser la circulation sanguine après le sport pour soulager la douleur et favoriser la relaxation musculaire. À base d'ingrédients naturels, silicium organique et huiles essentielles, c'est un produit de grande qualité. Pour profiter de ses bienfaits, il est à appliquer localement après l'activité sportive pour les muscles les plus sollicités. Donc écoutez, c'est très bien. Donc ça, il m'a dit également qu'il était content de l'avoir reçu. Comme ça, j'ai ses avis en direct. C'est pas mal. J'attrape maintenant de la marque Drinkenko, donc une boisson de préparation. Écoutez. Glucine lent, caféine, vitamine B6 et C. Donc là, c'est à la saveur pêche et mangue. Ça fait 30 grammes. Donc ça, c'est pas mal. C'est un petit peu comme le Malto que j'avais reçu du coup dans l'Athlete Running Club le mois dernier. Donc ça c'est très bien. Donc ils nous mettent boisson de préparation à l'effort conçue pour assurer une hydratation optimale avant votre course de trail. Sa composition en glucides complexes permet une prise jusqu'à 15 minutes avant le début de l'effort. Ah non, c'est encore pas pareil que le Malto. Cette boisson va renouveler les stocks énergétiques et permet de couvrir le début de l'effort en épargnant les réserves de glycogène. Etc, etc. Mais écoutez, oui, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça, c'est vraiment à prendre juste avant l'effort. C'est pas à prendre 3 jours avant comme le Malto. Bah écoutez, c'est très bien. Et j'attrape enfin de la marque Oxytis. Donc, ça m'a l'air d'être une petite compote, ça. Donc, c'est un gel liquide saveur pêche qui va apporter énergie et hydratation. Ils nous mettent que ça va prendre pendant l'effort et du coup ce gel du coup apporte en fait rapporte un coup de boost pendant une heure. Ah oui, c'est un gel en fait, c'est pas une compote. J'ai cru que c'était une compote vu le format. Bon écoutez, les gels il est pas trop fan, alors je suis pas sûre. Je crois qu'il avait vu, il a cru comme moi en fait que c'était une compote, mais je suis pas sûre du coup qu'il utilise ça parce qu'il est plus trop fan des gels. Et donc, ils me mettent ce gel à consommer pendant l'effort et issu de la gamme Climadrinks d'Oxytis. Cette gamme propose des produits énergétiques élaborés pour répondre aux besoins de l'organisme en fonction de l'environnement climatique. Ce gel climat tempéré fournit un apport énergétique et favorise la réhydratation lors des efforts effectués dans une température comprise entre 10 et 25 degrés. Ok. Etc, etc. Enfin, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est pour vous donner une idée.
Bon, écoutez, oui, pourquoi pas. Et on a également un petit code promo, donc 15% de remise sur le site Sidas qui est valable donc jusqu'au 31 décembre 2020. Ah zut, ah si, il y a quand même un code. Donc Trybox 15, donc écoutez, je vous le laisse parce qu'on ne va pas forcément s'en servir. Donc si ça vous intéresse, je vous en fais cadeau. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour cette box, mais je suis plutôt contente. Et du coup, on a l'impression qu'elle est peut-être un petit peu moins fournie que l'Athlète Running Club. Mais en fait, il y a des produits qui, à mon avis, bon, faut que je calcule la rentabilité de la box, parce que là, j'ai pas les prix d'annoncé. Mais c'est des produits qui sont plus techniques et du coup plus chers que dans l'Athlète Running Club. Comme là, ça, clairement, ça doit pas être donné, ça doit au moins coûter 15-20 euros. Une paire de chaussettes comme ça, c'est au moins 20 balles, enfin au moins 20 euros également. Donc voilà, clairement, j'ai envie de dire que rien qu'avec ces deux produits-là, on a en gros quasiment rentabilisé la box. Ça, c'est pareil, c'est pas donné, ça doit au moins coûter une dizaine d'euros. Donc voilà. Et puis ça, par contre, je saurais pas vous donner les prix puisque là, c'est une monodose. Et puis ouais, je saurais pas vous donner les prix. Ça doit au moins coûter entre 2 et 3 euros, on va dire. Et puis peut-être ça, je sais pas, peut-être un. Ça doit faire partie d'une boîte, ça, donc je dirais peut-être 1 euro le truc à vérifier. Hein, de toute façon, comme d'habitude, je vous afficherai les prix. Mais du coup, voilà, vu que lui, il aime bien quand même plutôt recevoir des choses techniques, puisque côté alimentation, on a vraiment ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Donc recevoir des choses un petit peu plus techniques, c'est ce qu'il recherche. Donc là, il a été très content du contenu de cette box. Donc on va la tester pendant peut-être 2-3 fois comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. S'il se rend compte que la Tet Running Club était plutôt pas mal également à côté, et ben on repassera sur l'autre. Mais pour l'instant, il a vraiment bien bien apprécié celle-ci. Donc on va rester là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous l'avez trouvé mieux du coup que l'Athlète Running Club que j'ai pu présenter le mois dernier, ou alors je fais pas de sport, je m'en fous. Peu importe, mais n'hésitez pas à me donner du coup quand même vos avis concernant la boxe ou juste me faire un petit coucou dans les commentaires. Comme vous savez, j'adore vous lire. Et puis écoutez, si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Comme je l'ai dit en début de vidéo, abonnez-vous, activez les petites alertes, c'est totalement gratuit et sans engagement, et ça fait plaisir, donc que du plus. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais de gros gros bisous. Bye bye!